Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans le Centre culturel Lacordaire et dans le cadre du projet international Le Monde Chantant Pélisvonné. L'association culturelle Arts Sans Frontières est très heureux de vous accueillir ici. Aujourd'hui, c'est la grande date, c'est 29 mars 2017 et nous commençons notre troisième stage de musique moderne russe à Montpellier. Et nous avons beaucoup de stagiaires de toute la France qui sont venus spécialement pour participer dans ce projet, dans ce stage. Et je voudrais vous présenter, s'il vous plaît, le directeur du projet, le fondateur du Chœur de Chambre de Crimée, Igor Mikhailevski, et Marie-Aline de Mortin, partenaire de projet, notre stagiaire et notre grand ami. S'il vous plaît, je donne la parole à Igor Mikhailevski. Добрый день всем. Я хотел бы прежде всего поблагодарить Полину за то, что она организовала именно стаж, наш третий стаж именно в городе Монпелье. Для меня это было принципиально, потому что мы делали этот стаж в разных регионах Франции. Первый наш стаж прошел это в Британии, второй стаж мы сделали в Лемане, и третий стаж сейчас мы находимся непосредственно в Монпелье. Самое главное, что я хотел бы сказать по этому проекту, это почему мы начали делать его совместно с... Почему мы начали его делать совместно с французами, с итальянцами, с голландцами, с немцами? Только по одной простой причине. Мы хотим, чтобы сделать именно посредством музыки, посредством пения, сделать как можно ближе наши народы, наши культуры. Alors, j'ai eu la chance d'organiser le premier stage en avril 2016 en Bretagne, puisque donc les chemins de la voie sont de Quimper. Et ça a été un grand bonheur pour les 20 premiers stagiaires qui ont suivi ce stage de bénéficier de la formation et de l'enseignement d'Igor Mikhailevski, qui est de grand niveau, qui avec une grande pédagogie nous apprend la justesse du son et la musicalité de cette œuvre russe contemporaine novatrice, Pélisvonné, qui veut dire carillon en français. Voilà, les 20 stagiaires qui ont pu profiter de ce premier stage ont voulu absolument poursuivre la préparation de ce grand concert. Et donc le deuxième stage, nous étions 40, ça s'est multiplié par deux. Et voilà maintenant la fin de cette formation avec le troisième stage où tous les stagiaires sont là et nous allons pouvoir travailler avec le chœur de Crimée. Donc ça va être un grand bonheur de cette préparation à ce concert de dimanche 2 avril. Thank you.
trouvé que le travail était intensif, mais agréable. On n'était pas fatigué, on n'avait pas la voix qui était éraillée après des heures de répétition. Et c'était très agréable. J'ai fait de belles rencontres et j'ai approfondi ma connaissance de l'œuvre de Gavriline. Et j'en suis vraiment très très heureuse. Je voudrais dire que j'étais super accueillie d'abord. Que je n'imaginais pas de tomber sur des gens aussi accueillants. Et puis, j'étais super entourée. Et moi, j'arrive uniquement pour le troisième stage. Et je voudrais souligner la patience d'Igor et sa façon de travailler qui est très constructive et qui nous permet vraiment d'avancer avec sérieux et beaucoup de consistance et beaucoup d'appui. Le troisième stage, c'était un peu difficile de s'y remettre après 6 mois, mais on a été vraiment très heureux de savoir que ça allait aboutir à quelque chose. On a été vraiment contents de penser qu'on allait vraiment faire un spectacle. On a beaucoup apprécié la présence du Chœur de Crimée à nos côtés pendant le spectacle. Et du coup, le stage avait cet objectif-là qui a été atteint, je pense. Donc, c'est un grand plaisir pour nous, parce que nous, on a travaillé pendant 3 stages différents. Et là, enfin, on arrive un petit peu, on ne dit pas qu'on arrive au bout, parce qu'on a encore beaucoup de progrès à faire, mais disons qu'on arrive quand même à un résultat qui donne l'impression qu'on peut se produire devant des gens, on peut leur faire partager le plaisir qu'on a eu. On peut leur faire, leur donner aussi le goût de cette œuvre que beaucoup ne connaissent pas, parce que moi je parle avec les gens, c'est une œuvre qu'ils ne connaissent pas du tout, et du coup c'est vraiment une découverte importante, et nous ça nous satisfait d'aller un petit peu à l'approfondissement des choses, quoi. Même si on sait qu'on a encore beaucoup de progrès à faire, et donc on a vraiment envie de vous remercier, et surtout d'avoir été à nos côtés aussi pour chanter, quoi. Enfin, c'est vraiment bien, quoi. Ça nous a soutenus, ça nous a encouragés, et on a vu où est-ce qu'il fallait, dans quelle direction il fallait se diriger, quoi. Où est-ce qu'il fallait aller. Je suis émerveillée par la qualité de la musique et par le dynamisme de Igor, et c'est une très bonne surprise pour moi, et j'ai envie de recommencer. Et le prochain stage, j'ai envie de m'inscrire. Thank you.